tous et à toutes et bienvenue sur Narlex In Game. On se retrouve pour du The Set Clairs 3 avec la suite. Donc là, c'est les rencontres du Nord où on va se faire une bataille. Il y a les pirates, il y a des Romains et des Égyptiens. Bon, bien sûr, la première chose à faire, c'est d'exploser les Égyptiens pour que ça ne soit plus une menace. Les Romains, pouf, j'en fais mon repas de 4 heures. Bon, les pirates, bien sûr, on va les laisser tranquilles. Bon, bah du coup, eh ben, on va commencer à réfléchir. Ça peut être sympa. L'atelier est déjà là, la fonderie de monnaie. Il me faut un... Bon, hop, hop, toc, toc, hop. Voilà. Alors, il y a du charbon, de l'or. Mais il me faudrait un truc qui me cherche. Qui me cherche de l'or. Je vais les monter parce que. Voilà. Est-ce que j'en ai? J'en avais pas. On part le faire. Donc niveau pierre, j'ai que ça. C'est pas la joie. Il va falloir que je fasse du poisson tout de suite. Voilà, hop. Ici, bah, j'ai pas beaucoup, j'ai pas grand chose, une scie de bois, faire du bois. Ça se construit au fur et à mesure. Voilà, là c'est fait aussi, là c'est bien, ça c'est excellent. Enfin, je vais même commencer, je pense, à faire des prêtres et tout, hein, faire un peu plus tard, mais... Je pense que c'est une bonne idée. J'ai deux cannes à pêche encore, donc le truc qui peut être pas mal, c'est de rajouter voilà une cabane de pêcheur. Ça, je sais plus qu'est-ce que je faisais avec. Port, marché. C'est vrai qu'il y a des choses, je me rappelle plus comment ça fonctionne. Au niveau du marché, du port, chantier naval, c'est bon, j'ai réussi par rapport à. À la dernière vidéo, mais j'aimerais bien avoir du fer, s'il vous plaît. Du fer. Je veux du fer. Bon, on commence à avancer tout doucement là. Mais enfin, j'ai du fer, j'ai tout qui s'est mis en place. Bon, j'ai pas encore la viande. C'est en construction. L'abattoir est toujours pas fini, il manque un peu de bois, hein, mais ça avance pas mal avec les deux bûcherons. Et là, je commence les bateaux déjà. Bon, là-bas, petit souci, hein, malheureusement. Donc voilà, je fasse un peu de commerce.
Déjà voir comment ça fonctionne. Donc je commence à voir les premières armes. Là, les marteaux ils se font. Non, mais ça avance tout doucement, quoi. Ça va le faire. Là, vu qu'il est en train de faire des armes. Voilà. Puis dès que tout ça est fini, je vais commencer à faire un temple et une vigne aussi. Et produire des moines. Comme ça, j'ai des chances aussi. Bah, je vais vous montrer. Dès que je fais ça, je vous montre un peu le système des moines avec des pouvoirs et tout. C'est très très sympathique. Vraiment. Bon, j'ai trouvé l'ennemi. On va voir ce que ça va donner. J'ai envie de prendre une position en fait directement. Mais je doute de ma réussite. Voilà, je fais tenir ma position. Et au moins, j'ai une vue sur lui directement. Et lui, il pourra plus progresser, c'est fini. Donc on va voir ce que ça va donner plus tard. Bon, sinon, n'empêche, cette mine ne produit plus rien. Quoi ? Si, si, il va continuer à produire. Je lui ordonne de produire encore plus. Non mais oh, je comprends pas. Bon, j'étais en train de construire donc le chai pour le vin. Et le temple, bien sûr, ouais, bon, il reste encore un peu de temps. De toute façon, là, j'ai toujours personne. Hein, Voilà, normalement, la boucherie, ouais, voilà, la fenêtre, donc la viande. Bah, ça commence à bien faire, hein. Là, j'ai surtout ça à construire. Et dès que je construis ça, ouais, je vais bien être tranquille. Autant accoster là-bas et là, bon, ça va. Une cabane de pêcheur ici. Lui. Tout ce qu'il peut faire, c'est carrément venir. Non. Mauvaise idée. Très bien, voilà où je vais. Bon, au niveau poisson, je suis à donf. J'ai même refait une ferme. Donc là, j'ai bientôt mon navire qui va se terminer. On va voir ce que ça donne ce navire-là. Je ne sais plus du tout à quoi il sert. Là, il reste trois bouts de bois et c'est fini. Là, il y a du charbon, donc bah, pareil, du charbon, ça commence à en avoir beaucoup. Même l'or. Je commence à avoir de l'or un peu beaucoup. Oui. Ah.
fait quoi ce chien? Il fait rien. Hein. Non, donc c'est pas transport, c'est vraiment commerce. Deux, bientôt fini. Là, niveau boucherie, ça va. Donc c'est ça, je manque de porteurs. Hein. C'est assez flagrant. Voilà. Non mais oh, je sais même plus parler, moi. C'est dingue, ça. Donc là, bah, j'ai un peu rien à faire. C'est le chantier naval. Je décharge et je la ramène ici. Bon là, ça se passe, ça va. Ça va, ça va. Et là, ça sort. Aïe. Là, niveau porteur, ça va y aller. Hein. Je résous ce problème. Mais d'abord, il faut une priorité ici. Voilà, priorité maximale. Pour finir cette construction, parce que là, je commence à être plein au niveau des armes. Et il faut bien que je me fasse quelques soldats. Hein. Ça va de soi, bien sûr. Ça, c'est une île, je dois pas y toucher. Que il y a une ligne qui s'est faite là pour l'or, tout balancer. Bon, niveau bois, ça va. Je commence à ça, c'est bon, c'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais en construire, je pourrais construire un autre bûcheron, mais. Je sais pas si ça pourrait m'être utile. Il y a la viande, c'est foison carrément. Là, ils vont pas perdre de la nourriture. Hein, Bon, du coup, bientôt fini le baraquement. Bon, ça se bouscule là, tellement il y a de personnes ici concentrées. Limite, je devrais carrément faire une autre fonderie. Bah voilà. Bon, je sais plus comment on fait ça par contre. Faudrait que je regarde, mais je sais plus. J'ai le marché qui va finir, je sais même plus à quoi il sert.
Bah écoutez, ma deux arcs, ça commence. Bah en fait, je me dis, là, je me fais une grosse armée et je pourrais commencer à les attaquer parce que je sais qu'ils en ont. C'est pas petit ce qu'ils ont, hein, ça, il n'y a pas photo là-dessus. C'est quelque chose. Donc je risque de perdre vraiment gros. Donc ça tombe, je vais devoir le faire en deux étapes. De toute façon, je vais carrément devoir attendre un peu. Bon, bah là, je commence à avoir une armée assez conséquente. Je pense que je vais commencer à attaquer, même si j'ai encore des troupes un peu loin. J'attends cela et je vais commencer à attaquer parce que je pense que j'ai quand même une grosse force. Parce que là, en rien, je suis offensif 62%, ça veut dire que j'ai quand même. Je suis quand même au-dessus. Hein. Suis quand même au-dessus. Même si, de toute façon, je vais en perdre, ça c'est sûr. J'ai refait un troisième bateau parce que du coup j'en ai fait trois. Hein. Il y en a un qui est là, l'autre qui est là. Et je suis un peu obligé. Le bateau, j'ai réussi à le mettre en place. Donc il fait. Il va jusque-là. Niveau charbon, niveau fer, niveau ça va, c'est tout ce qu'il faut. Même si le charbon, je commence à avoir bah l'ego, hein. Donc, bon. What? J'ai tout perdu. Je suis deg, d'accord. Bon, ouais, je suis carrément deg. Ça c'est du sort, hein. Voilà, vous l'avez vu, comment ça fait. On peut tout perdre d'un seul coup, c'est horrible. Il faut vraiment que je surveille, puisque dès qu'ils arrivent, en fait, bah, il faut mieux que je me casse. Il faut que j'agrandisse pour aller récupérer la pierre. Là, je commence à plus avoir de pierre non plus. J'ai un peu de chat, je vais pas le cacher. Je pensais tellement pas, mais ouais, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fout là, ouais? Ah, mais toutes mes troupes sont là. Mais il va avancer, quoi. Ah, j'ai eu peur. Là, faut vraiment que la map, faut vraiment la regarder quoi. Hein, c'est. Ça va être tant d'axes. Il me faudrait un. Un moine. Je veux un moine! Je veux un moine! Je vais faire un gros truc et puis basta.
Donc ils ont tout ça quand même avec des deux moines là, c'est que ça doit y aller. Et tant que j'en ai pas un, ça va être un peu tendu. Hein. Tendu du slip. Non, des charges dans la mer, non, il veut pas. Voilà, allez, hop, on y retourne. Ouais, résidence, il veut pas. Hein. Il me dit, va te faire foutre. J'ai aussi mon premier moine du coup. Donc avec œil magique, verre divin. Donc là, verre divin, en fait, c'est simple. Bah, je me mets là, là, et en fait, ça devient cultivable, en gros. Pousse miraculeuse, terreur divine, donc une force beaucoup plus puissante. Il y a un cadeau. Alors, je vais vous montrer le cadeau déjà. Vous allez voir ce que ça va faire. Et voilà. Très sympathique. Bon, je pense que je vais commencer à attaquer, donc je vais faire des petits groupes. Voilà, je vais commencer à attaquer avec ça. Donc je vais faire trois groupes. Celui-là, c'est simple. Je vais m'avancer. Et attaquer par derrière. Tenir position. Allez, on attaque. C'est pas grave si j'ai perdu des petits pleu-pleu. Là, il va bientôt arriver, donc je vais attaquer autre part. Hein. Allez, on commence. C'est parti. Y en a beaucoup, hein. Ça, y a pas photo. Hein. Très très long à attaquer ces tours-là. Je vais détruire. Je m'en fous un peu. Donc là, j'ai quoi? Ouais. Ok. Et je vais avoir la prochaine attaque, de toute façon à faire. Yeah.
obligé de reculer avec les archers. Ils vont pas faire grand chose. J'ai limite coupé. Ouais, c'est ça, j'ai coupé le territoire en deux. Ben voilà, intervention divine, je peux encore donc là, promouvoir les archers. Hein, donc les prochains archers que je vais faire, ils auront la petite plume sur la tête. Tout simplement. Bon, ça je détruis, je m'en fous. Voilà. Ça a l'air d'aller. On va voir. Bon bah je l'ai eu, c'est bien. Bon de toute façon c'est fini pour eux, hein, là c'est sûr. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là, hein. De toute façon ils ont plus de soldats, plus rien, la défaite des Verts est annoncée. Donc on se retrouve pour la deuxième partie, pour aller attaquer les Romains du coup, ils seront peut-être un peu plus faciles, on verra, je sais pas, ça tombe, ils sont bien préparés aussi, hein. Je vais devoir refaire des soldats, je vais devoir refaire pas mal de choses, hein. Ça c'est sûr, et puis aussi c'est une île, donc... devoir transporter tous mes soldats sur l'autre île. Voilà. Bon allez, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Bye bye.